Nous avons ce soir comme invité Jean-Jacques Tisler qui a bien voulu apporter sa contribution à notre travail et à notre cycle sur qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse. Alors Jean-Jacques Tisler, vous êtes psychiatre, psychanalyste et vous travaillez à ce titre au CMPP de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale et à l'hôpital de Ville-Évrard. Vous êtes aussi président de l'ALI, je pense que tout le monde sait ce qu'est l'ALI, Association Lacanienne Internationale. Président de l'ALI, une lourde charge, je trouve, qui rend votre disponibilité à être ce soir parmi nous tout à fait précieuse et nous vous en remercions. Parce que je suppose que la charge est lourde. Hein. C'est vrai, elle est un peu lourde, mais heureusement il me reste 6 mois de présidence après. D'accord. Je vais passer la charge. Alors vous écrivez de très nombreux articles théoriques et cliniques dans diverses revues et collections dans le journal français de psychiatrie, dans la revue lacanienne. La revue lacanienne est une revue propre à l'ALI, enfin était une revue propre à l'ALI, dans laquelle vous avez assumé, je crois, des responsabilités éditoriales. Hein. Mmh. Mais vous avez écrit aussi dans la clinique lacanienne, qui est la revue de la Fondation européenne. J'y ai lu un travail sur la dépression, la mal nommée. Mmh. Et ensuite, un travail sur la paranoïa invisible. Mais vous avez également apporté de très nombreuses contributions à des ouvrages collectifs. D'abord à cette collection qui avait été créée en hommage à Jean Vergès et consacrée à l'enfance et à l'adolescence, et dont le dernier numéro, intitulé « le corps porte-parole de l'enfant et de l'adolescent », bien sûr, résonne avec notre travail ici. Appuyé sur votre expérience clinique, vous tournez le dos, me semble-t-il, dans ce que j'ai lu dans cette collection, vous tournez le dos à la pente neurologique, qui est si bien portée par l'air du temps, et vous y interrogez, par contre, de façon insistante, comment tenir une place qui puisse être une référence symbolique auprès de ces enfants agités, qui tournent en rond, faute de nom. Ça, c'est votre expression, et c'est une très belle expression qui parle vraiment, qui parle de ce dont il s'agit. Vous signez également un article sur l'hypochondrie dans cet ouvrage collectif qui est une monographie de clinique analytique sur les limites du corps et le corps comme limite. Alors, ces quelques intitulés qui sont bien incomplets et dont je m'excuse d'ailleurs qu'ils soient incomplets, eu égard à l'ensemble de votre travail, viennent témoigner à quel point cette question du corps qui traverse tous ces intitulés est au cœur de votre réflexion. Alors, à la lecture de votre travail, me sont revenus et me reviennent aujourd'hui encore les échos aussi familiers que lointains d'un enseignement qui nous rassemblait en rang serré il y a de nombreuses années dans la salle Magnan de l'hôpital Henri Roussel autour de Marcel Xermack, de ses présentations cliniques et en même temps autour de la discipline du trait du cas. C'est mercredi après-midi où Xermack déclinait pour nous ses passions de l'objet, et plus tard patronymie, travail serré d'une grande exigence formelle, d'où se dégageait une éthique exigeante de la clinique. Attention vigilante portée à la structure, à la distinction des registres du réel, du symbolique et de l'imaginaire, et l'écoute scrupuleuse de l'énoncé du psychotique dans lequel le corps, ou plus exactement le langage du corps, occupe une place centrale. Voilà, cette rigueur clinique tellement stimulante, en tout cas pour moi et je crois pour tous, m'a paru être la marque de vos publications, et elle m'a paru marquer les publications que j'ai lues de vous. Voilà. Et pour cette soirée, vous avez choisi de nous parler du fantasme pour la psychanalyse ou comment le corps se sexualise. Voilà. Bah, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Non, je suis venu malgré mes charges, c'est vrai, parce que dès demain, on a des journées sur les phobies, là.
à la pitié. Ah non, c'est pas la pitié, parce qu'ils sont en panne de chauffage, on va à Saint-Antoine exceptionnellement. Mais demain, déjà, j'ai des réunions de travail, effectivement, qui précèdent. Non, je suis venu parce que je vous connais depuis... On a fait nos jeunes classes ensemble, et donc voilà, quand les collègues me sollicitent au titre de l'amitié réciproque, souvent je dis oui. Quand j'ai choisi, donc je vais, c'est un angle d'attaque, parce qu'il se fait que ces dernières années, j'ai fait un séminaire de travail, comme je racontais au Chang, sur la question du fantasme dans la psychanalyse. Et donc je vais vous proposer quelques pistes d'éclairage en rapport avec les questions qui, je crois, vous intéressent. Puisque d'un certain point de vue, il me paraît assez difficile, pour la psychanalyse, je veux dire, pas pour la médecine, pour la psychanalyse, de parler du corps sans parler du corps comme organe de jouissance. Ça n'aurait pas beaucoup de sens pour nous. Et donc, il va de soi que la question du fantasme, tel que Freud la propose, me paraissait une entrée capitale pour parler, un des bords nécessaires pour parler de la question du corps. On entend pas bien, hein? Si, mais okay, ça va. Mais je crois que les micros sont pas... Et en fait, il... Mais il marche, c'est... Ah d'accord, c'est juste d'accord. C'est pour ça qu'on n'entend pas le retour son. Quelques petites généralités d'entrée, à mon sens, mais peut-être vous en avez déjà parlé, puisque ça fait un an que vous travaillez sur la question du corps. Hein. À mon sens, je pense qu'on est dans un moment où on régresse, on est un peu en régression sur l'appréhension de la question du corps, pas dans la médecine. Mais dans la psychanalyse. Parce que souvent, la façon dont les collègues parlent du corps, et je pense que vous en avez l'écho du défaut, c'est une reprise du signifiant comme une tautologie. On parle du corps comme si on savait ce qu'était le corps en soi. Et c'est, à mon sens, un glissement assez récent de notre discipline qui bizarrement se met à reparler du corps comme si on pouvait le désigner. Ceci est mon corps. Et le corps redevient l'évidence qu'il avait pourtant quitté. Et je pense que sur ces questions, la psychanalyse, bien souvent, cède en quelque sorte. Cède. Y compris, là j'en parlerai très rapidement, y compris dans les services qui pourtant dans toute la sémiologie, toute la psychopathologie étaient bâtis sur la psychanalyse comme les services enfants, les services de psychopathologie de l'enfant. Et même dans ces services-là maintenant, je vous donnerai un tout petit exemple tout à l'heure à propos de l'enfant agité justement, nous sommes en train de céder sur le signifiant du corps. Ça, vous devez le sentir pour tous ceux qui sont pas simplement en cabinet privé, mais dans des institutions de soins. Et donc Lacan, je ne sais plus dans quel séminaire, disait « Mais le problème de l'humain, c'est qu'il prend le corps pour un meuble. Hein. » Effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire à nouveau. On va pouvoir désigner à nouveau ce qu'est le corps en soi. Ce qui est, à mon sens, une grave absurdité. Surtout du point de vue de la psychanalyse. Là, je ne me permettrai pas d'avoir une critique épistémologique sur le travail de la médecine. C'est un autre problème. Mais on peut en parler, mais qui n'est pas le même angle d'abord. Pour la psychanalyse, vous en avez déjà parlé, je pense qu'il faut qu'on garde le cap de dire que le corps est d'abord une métaphore, tout simplement. Et c'est-à-dire que nous abordons les uns les autres le corps d'abord par le symbolique. Ce sont des mots. Le corps est fait de mots. Et je dis ça, moi, parce que là je reviens du Brésil, j'ai travaillé justement sur le fantasme. Là. Et vous savez que dans bien des pays, le mot corps, en quelque sorte, le statut du mot corps n'est pas du tout comme chez nous. Il y a des pays, par exemple, où il n'y a pas de mots pour distinguer le corps vivant du cadavre. Ça n'existe pas.
Il y a plein de bizarreries introduites par les langues, en quelque sorte, concernant la désignation du corps lui-même. Et donc la position de la métaphore, des signifiants concernant le corps est très variée d'une culture à l'autre, énormément variée. Nous abordons donc le corps, il me semble, c'est pour nous le point capital en tant que métaphore, et évidemment nous abordons le corps d'habitude par sa dimension imaginaire, avec la psychanalyse. Aborde également le corps par sa dimension imaginaire. Là, vous en connaissez deux grandes acceptions. L'une qui fait l'entrée fracassante de Lacan dans le champ de la psychanalyse, le stade du miroir. Qu'est-ce que l'imaginaire au miroir? La constitution de l'image. On disait dans le temps l'imago. La constitution de l'image au miroir. Et puis le temps que nous oublions souvent, qui est la constitution du corps sexualisé et érotique, et donc la constitution du corps par l'imaginaire fantasmatique. Et donc, quand vous parlez de l'imaginaire du corps, enfin, sauf à me contredire, si vous trouvez qu'il y a d'autres possibilités, mais il y a au moins ces deux imaginaires dont vous connaissez les linéaments chez Lacan. Alors, je ne sais pas si quelqu'un vous parlera du stade du miroir, là, dans le... Peut-être vous l'avez déjà abordé, tout simplement. Enfin bon. Le corps au miroir et le corps tel que le fantasme l'organise. Et donc ça sera ma première remarque, et il est vrai, qui est de constater que nous tirons à nouveau le corps, alors du côté de ce qu'on pourrait appeler le réel du corps, puisque là j'ai parlé du symbolique et de l'imaginaire. Il semble que nous tirions à nouveau le corps du côté du réel, mais qui est entendu au fond comme le réel de la médecine. C'est-à-dire la façon dont, à juste titre, la médecine désigne le corps, le réel physiologique du corps. Ce glissement qui est préoccupant, vous en avez effectivement trouvé la trace dans un petit article que j'avais fait concernant quand même un scandale contemporain qui est l'histoire de l'enfant agité. Moi je dis l'enfant agité parce que tout le monde dit l'enfant hyperkinétique, ce qui est déjà une désignation du corps comme meuble, précisément. Si vous utilisez vous-même le signifiant hyperkinétique pour désigner toutes les formes d'agitation de l'enfant petit, c'est déjà un choix d'entrée qui va vous faire glisser de fait vers le corps, vers le réel du corps tel que la médecine l'envisage. Et donc il est vrai que quand vous vivez dans un service comme un CMPP, qui est donc une petite unité où nous recevons en nombre des enfants, on a la surprise. Moi j'ai eu la surprise parce que j'ai fait ma carrière longtemps dans le champ des psychoses, effectivement, donc en psychiatrie de l'adulte. Et il n'y a que 10 ans maintenant que j'ai accepté de prendre la charge d'un service enfant. Et donc, quand je suis arrivé dans un service enfant, j'ai été assez étonné, en quelque sorte, du bon scientisme, en quelque sorte, de la façon dont la frappe du scientisme était rentrée dans des services qui peut-être pour moi, un peu par bêtise, me semblait à l'avance un peu vacciné en quelque sorte des questions du scientisme moderne. Il y a l'enfant, le petit dont je parle de manière très cursive dans cet article, c'était un enfant, comme vous en recevez parfois, exclu de maternelle, ce qui est quand même une nouveauté. Avant, ça n'existait pas, les exclusions de maternelle, c'était assez rare. D'après mes collègues, ça n'existait pas à une certaine époque. Ça n'existait pas avant, parce que pour exclure un petit de 5 ans d'une classe et d'une école, c'est quand même un acte assez singulier. Et donc, on recevait, en principe, les services ne recevaient pas d'exclusion des maternelles. Et donc on reçoit là, effectivement, maintenant ce qui se voit, ce qui arrive, un petit, enfin de plus en plus souvent, un petit exclu de la maternelle, et qui était comme un lion en cage, une toupie,
avec des signes cliniques qui auraient pu faire évoquer une entrée dans la psychose de l'enfant, c'est-à-dire une façon de n'être accroché ni par le regard ni par la voix, hein, c'est-à-dire cette façon désagréable de ne pas pouvoir la voir dans le champ scopique. Il ne tenait pas accroché au regard et il ne tenait pas accroché à la sollicitation vocale. Et donc c'est un enfant qui effectivement était très désordonné. Pourquoi il avait été exclu ? C'est un enfant qui avait été exclu parce qu'il avait pris l'habitude assez désagréable de planter son crayon dans le dos de la main de sa maîtresse. Bon. Et de griffer de manière généreuse ses petits camarades de classe. Et donc c'est un enfant qui était considéré comme, pour finir, dangereux pour les siens et pour la classe. Un enfant comme ça, ce qui est assez curieux, vous voyez, c'est que, alors lui peut-être pas, lui peut-être il aurait été considéré assez vite comme une psychose, si on n'avait pas été prudent, mais les petits enfants turbulents, agités, actuellement sont, comme on dit entre guillemets, bilantés, selon un néologisme qui vaut ce qui vaut, et la plupart passent sous le sigle trouble de l'attention avec agitation. Et ça mériterait, il faudrait que vous ameniez des documents scientifiques sur les troubles de l'attention, parce que je ne sais pas si tu les as vus. Ça mériterait que vous les lisiez en commun. Parce que quand vous avez, venant des grands centres d'expertise, que je ne vais pas nommer, il y a à Paris des très grands services de pédopsychiatrie, qui sont des centres d'expertise, quand vous recevez des documents faisant le bilan d'une agitation du petit comme ça, c'est de la science dure. À savoir, vous avez 60 pages concentrées de documents sur le corps, sur l'analyse spectrale de ce qu'est le corps de l'enfant, analysé sous tous les angles possibles. Et c'est une lecture assez difficultueuse, même pour quelqu'un qui a fait médecine. C'est-à-dire, tu perds très vite le fil, tellement ça paraît scientifique, c'est inouï. Et donc, 60 pages... À la fin, d'habitude, la conclusion est gagnée d'avance, donc hyperkinésie avec trouble ceci, trouble cela. La plupart du temps, mais pas toujours, sont conduits vers une chimiothérapie que vous connaissez. Et puis on laisse au psychothérapeute, là, comme on dit, la charge d'accompagnement. Ça mériterait, moi je l'ai fait dans mon service, que vous fassiez presque un TD, un travail dirigé de lecture simplement de ces documents qui sont la pointe avancée de l'appréhension de la physiologie du corps en pédopsychiatrie. C'est assez extraordinaire. Et donc vous recevez ça au titre donc de l'expertise. C'est donc l'expertise du corps vous est donnée aujourd'hui, ça donne le là de l'expertise du corps. Il faut être dans des positions de résistance, c'est pas évident hein, à ce type de message. Il se passe, là je vais très vite, il se passe que cet enfant donc est venu. Alors Lacan dit, vous savez, une des formes de la définition du réel, il dit c'est ce qui revient toujours à la même place. Hein, il va en changer des définitions du réel, d'accord, mais c'est une des premières, ce qui revient toujours à la même place. Et donc je revoyais cet enfant, comme vous faites vous-même, tel jour, telle heure, systématiquement. La plupart du temps, il restait 10 minutes, et puis il tournait le dos, il filait, il était intenable. Enfin, les mois passent, le même enfant vient, tel jour, telle heure, je l'attends, je l'appelle de son prénom, je le nomme, et lui demande comment c'est... Bon, il ne répond pas, mais enfin... Il tourbillonne, il avait cette particularité aussi en guise de... Vous savez, dans les services enfants, pour des raisons que j'ignore, on fait énormément de dessins, collègues. Et donc, il y a des feuilles et des papiers partout. Et donc, en guise de dessin, effectivement, il faisait des tourbillons qu'il trouait. Il trouait systématiquement, avant de partir, de rage, ses dessins. Donc, il laissait les dessins troués, qui étaient en fait des graffitis. Le temps passe et un jour, cet enfant, c'est ça qui est intéressant, c'est que par chance, même quand le praticien ne sait plus ce qui est une question, éventuellement, l'enfant trouve la force de la retrouver. Un jour, cet enfant arrive,
se redresse en quelque sorte, plante pour la première fois, si je puis dire, ses yeux dans les miens. J'avais jamais vu son regard, c'était impossible à fixer. Et donc il se redresse, donc je vois qu'il se passe quelque chose de particulier. Et cet enfant me dit de manière tout à fait claire et posée, déterminée, il me dit, est-ce que ton père, il est mort aussi ? C'est une question assez... Oui, est-ce que ton père, il est mort aussi ? Et c'était donc avec une forme de gravité, une détermination dans la question, au point que, je dois dire, j'étais pris d'une certaine angoisse de pas être à la hauteur de la réponse. C'est-à-dire, comme je ne m'étais pas habitué à ce qu'il parlât comme ça, sur un mode aussi haut. Et donc j'ai eu un petit moment de recul, quelques secondes, peut-être une petite minute est passée, mais enfin assez longue, parce que... Et je lui ai dit, alors c'est ça qui est intéressant, les collègues m'ont fait remarquer après coup, tu me demandais si parfois on avait retour de ce qu'on raconte, les collègues m'ont fait remarquer que j'avais eu une réponse assez curieusement en double détente, c'est-à-dire que j'ai répondu d'abord pour le mien, et assez curieusement, probablement à cause du problème spéculaire du corps. Je lui ai dit, pour le mien il est mort, mon père est mort. Et pour le tien, pour ce qui est de ton père, je crois savoir, puisque je connaissais son dossier clinique, comme on dit, qu'il n'est pas mort, mais qu'il t'a abandonné lors de ta naissance. Parce que je savais que le père était parti. Et donc je lui ai fait cette réponse assez complète. Toujours est-il que, bon là je vous passe la suite, mais c'est comme dit Freud, on a souvent dans la clinique de l'enfant des choses un peu magiques. Cet enfant a quitté toute agitation, je veux dire, est sorti absolument de son agitation, de la phénoménologie de l'agitation du corps, la séance même. C'est un enfant donc que je suis maintenant, qui a évolué et qui a fait une entrée. Alors là, ça irait plus à Jean Bergès, il a fait une entrée spectaculaire dans la lettre. Il est rentré en CP l'année d'après. Il s'est porté en tête de classe. C'est un môme qui est rentré. Je veux dire, son corps est rentré dans l'écriture de la lettre de manière spectaculaire. Il a épousé avec une joie et une jubilation la possibilité d'écrire tout simplement les petites lettres. Les petites lettres des noms. Et voilà, ça, vous voyez, c'est la seule petite vignette que je vais vous donner là ce soir. C'est donc plutôt qu'un long commentaire, la forme de réponse qu'on pourrait avoir quant au scientisme ambiant concernant le corps dans le domaine de la psychanalyse de l'enfant. Mais vous voyez, ce qui fait la particularité, c'est pour ça que je le raconte souvent, ce petit cas, c'est que la force de la coupure ne vient pas spécifiquement du praticien. Là. C'est-à-dire, moi j'avais en moi la force de le recevoir chaque semaine, la question ne se posait pas. Je savais qu'il fallait tenir, mais je ne savais pas sur quoi. Je n'avais pas la force ni l'envie d'interpréter de force la position de cet enfant, c'était très difficile, par rapport à quoi ? Et donc, ce qui est assez spectaculaire, c'est que bien souvent, c'est l'enfant lui-même qui, d'un certain point de vue, va nous indiquer que le corps dont nous parlons si mal reste avant tout une grande question. Une grande question posée sur la filiation, sur la nomination, sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur le sexe, etc. Et ça, je l'ai retrouvé quasiment, on pourrait faire un jour des journées spécifiques sur ça, sur l'agitation de l'enfant, je l'ai retrouvé quasiment sur tous les petits que j'ai suivis comme ça pour des raisons d'agitation. Toujours l'enfant, un jour, pose une question qui va crever un peu l'écran du réel physiologique du corps. Et ça m'a passionné, ça m'a donné quand même ça m'a plu, toi, d'un certain point de vue, ça m'a garanti d'un certain point d'éthique touchant à l'écoute de l'enfant, et le fait que nous n'ayons pas à céder par trop vite aux sirènes du corps. Je ferme cette parenthèse. Il y a, alors je parlais de régression concernant la question du corps. Le corps traité comme un meuble. Bon. Il y a, à mon sens, je vous le livre comme ça, une autre difficulté actuelle, mais dans le champ de la psychanalyse elle-même, qui est, me semble-t-il, après vous me direz ce que vous en pensez, que semble bizarrement se dissocier aujourd'hui le travail sur la pulsion, les pulsions, comme on dit,
et le travail sur le fantasme. Ça, vous pourrez le vérifier dans toutes les publications que vous recevez de toutes les écoles respectives que vous pouvez trouver, peu importe. Et vous verrez qu'il y a énormément de publications sur la pulsion aujourd'hui, sur le pulsionnel. Probablement parce que nous vivons dans une clinique effectivement moderne qui appelle aux commentaires sur le pulsionnel. Ma curiosité, c'est pour ça que j'avais entamé il y a 4 ans ce travail sur le fantasme. Ma curiosité, c'est que je m'apercevais que les collègues de plus en plus pensaient la pulsion de manière isolée en quelque sorte. D'ailleurs, le pulsionnel se pensait, la grammaticalité de la pulsion semblait se penser directement. Souvent, les collègues passent de la pulsion aux grands discours sociaux. Il y avait une espèce de court-circuit, pulsion sociétale. Et la question du fantasme, c'est-à-dire le rapport pulsion-fantasme, semblait quitter le champ habituel de la réflexion de la psychanalyse. C'est donc une question qui m'a semblé vive et qui m'a, enfin pour mon propre compte simplement, qui m'a engagé à tenir à l'association un séminaire sur la question spécifique du fantasme. Le rappel, mais c'est un argument d'autorité, c'est jamais les meilleurs, le rappel que je faisais à mes amis et collègues, c'est que vous vous en rappelez, Lacan se soutient tout au long de sa vie, même dans les séminaires les plus tardifs, les plus topologiques, de la longue mise en place qu'il a fait de ce qu'il a appelé le graphe du désir, vous vous en rappelez. Et le graphe du désir qui, partant des questions du narcissisme, d'identification première, se borde par la pulsion, puis par le fantasme, pour en arriver à la question du un au lieu de l'idéal, en quelque sorte. C'est tout un chemin. Hein, c'est tout un chemin, le corps qui va vers cette quelques un au rang de l'idéal. Pourquoi choisit-on une vie là? Pourquoi choisissez-vous de faire une association? Je veux dire, on est tous pris par une forme du un qui nous taraude, mais il y a peu de chances que le pulsionnel au sens pur puisse nous raconter ça. Donc ça, c'est une question que je garde ouverte, et pour moi et pour vous si vous le souhaitez. C'est pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, en quelque sorte, nous voyons la clinique se dégrafer, pour reprendre ce terme du graphe, et que d'un côté, vous voyez énormément de travaux sur la pulsion, et qui semblent, pour finir, très peu reliés à la question du fantasme dans la psychanalyse. Je vous laisse la question, je ne vais pas y répondre à votre place. Moi, j'ai essayé simplement d'y répondre dans mon travail personnel de séminaire. La question, je ne pourrais pas le faire ce soir, peut-être vous la poserez à d'autres collègues au cours de l'année, et il y a chez Lacan le vœu concernant l'imaginaire du corps d'aller au-delà du pas de Freud, vous le savez, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'embarras, Lacan dit, il y a un embarras avec Freud, c'est le sac du corps, hein. C'est-à-dire, donc Lacan dit, Freud préserve dans sa façon, dans sa conception du corps, l'idée d'un sac, c'est-à-dire ce qui est intérieur au corps, ce qui est extérieur au corps, les bons objets, les mauvais objets, là pour parler à la Mélanie Klein. Et Lacan, ça vous le savez, mais ça mériterait une étude en soi, tout son travail topologique, en quelque sorte, son long travail vers le nœud borroméen, a été en quelque sorte de désenclaver le corps de cet imaginaire, celui du sac. Parce que nous pensons la psychanalyse avec notre corps, bien entendu. C'est-à-dire nous-mêmes, on pense avec nos pieds, on pense avec notre corps. Et donc l'imaginaire freudien reste effectivement un imaginaire du sac. Et donc ça mériterait, mais c'est une étude là que je ne peux pas faire en un soir, qui est un peu long, il faudrait demander à un collègue topologue. Lacan passe en quelque sorte du sac freudien à sa topologie et à ses trois consistances nouées, qui est donc une autre, il faut bien voir que c'est une autre pensée du corps. La topologie, la borroméenne, n'est pas le sac freudien. Enfin, semble-t-il, en tout cas, c'est comme ça que Lacan le propose. Quatrième petite incidence, je pense qu'il faut que nous distinguions de manière méthodique, quand Lacan dit
Le corps, c'est l'autre. Hein, vous savez cette occurrence. Le corps, c'est l'autre, le grand autre. Je crois qu'il faut distinguer, pour des raisons de méthode, toujours l'autre du signifiant, l'autre du corps. L'autre du signifiant, c'est un espace qui est illimité. Il est ouvert. L'autre du corps, et ça, Lacan là-dessus s'appuie résolument sur Freud, c'est un espace. L'autre du corps, c'est un espace qui est borné. Il est borné par quoi ? Il est borné par la question du phallus. Là, je ne peux pas vous faire un cours de théorie, mais il suffit que vous pensiez à la façon dont Lacan parle du petit Hans, la question de la phobie chez Freud. Hein, et il dit, mais qu'est-ce qui arrive au petit Hans ? Mais c'est que dans son corps, quelque chose va se mettre à exister, qui est tout d'un coup la jouissance phallique. D'ailleurs, le petit Hans ne sait pas quoi fiche de cette érection qui lui arrive. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas au sens propre du corps, ça. Ça existe au corps. Et donc la question là de la jouissance phallique qui apparaît, voyez, comme bordant la question du corps. C'est très important cette mise en place freudienne, et Lacan la reprendra presque en la commentant, mais en donnant à Freud la validité de cette interprétation. Donc autre du corps, borné par le phallus, et autre du langage, autre du signifiant, qui lui évidemment est un espace ouvert, est un espace illimité. Il y a un point là qui serait passionnant, mais qui est un autre problème, qui est évidemment, mais c'est presque une banalité, que le rapport des sexes au corps n'a rien à voir. Hein. Tous ceux qui ont une analyse garçon et fille savent bien que l'entrée d'un garçon dans la question fantasmatique du corps n'a pas grand-chose à voir avec l'entrée de la fillette dans la question du corps. Ce sont deux occurrences qu'il mérite. Il faut à tout prix mettre en valeur les distinctions qui s'opèrent dès les plus jeunes âges dans la vision fantasmatique qu'a le garçon et la fillette de son corps. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des petites fillettes de 4-5 ans là, en CMPP. Il va de soi que la question de l'énigme, de la séduction produite par le corps de la fillette, c'est déjà présent à 4 ans. Elle le sait, la petite fille, qu'elle possède cet objet bizarre qui attire le regard. C'est pas le cas du garçon à cet âge-là, c'est sûr que non. Cet objet bizarre là, que Lacan appellera la petite A. Pourquoi j'ai cet objet là qui tout d'un coup illumine le regard autour de moi ? Une petite fille à 5 ans peut le raconter. Donc l'entrée fantasmatique des sexes est très différenciée, immédiatement différenciée. Ça, on le sait par les narrations des enfants, on le sait par les narrations des adolescents, et on le sait par le témoignage dans les cures. Avec des retournements très intéressants dans le cas des femmes, qui sont tous ces retournements hypochondriaques, puisque tu parlais d'hypochondrie. Hein, le fait que l'objet qu'on détient peut aussi se révéler, malheureusement, un objet qui fait hypochondrie, là, pour finir, qui fait difficulté. Incarcéré. Donc on sait que le rapport de la femme à son corps peut avoir, peut-être jusqu'à une époque plus moderne, avec la façon dont le garçon entrait dans la question du corps. Vous voyez, il faut garder des distinctions, à mon avis, d'abord de simplicité, se rappeler que la clinique sépare, elle divise les questions avant de les rassembler. Le corps est avant tout instrument de jouissance, c'est pour ça que ça intéresse la psychanalyse, et donc ce thème dit du fantasme. Alors là, je vais vous en donner, mais sous le mode d'une question, quelques occurrences, pour vous donner quelques pistes et le goût de quelques pistes de travail, plutôt que vous donner des affaires conclusives. Ce qui est formidable, alors il est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, hein. Moi je m'en rends compte quand je ne suis pas parmi les collègues comme ça, mais quand vous êtes dans des cénacles qui ne sont pas psychanalytiques, on se rend compte tout de suite que les mots que nous utilisons ne sont pas du tout acquis. Par exemple, là j'ai dit fantasme, tout à l'heure j'ai dit pulsion, on parle d'identification, mais ce sont des signifiants propres à la psychanalyse. Hein. Si vous parlez avec des philosophes ou des anthropologues ou des sociologues du fantasme, vous allez vous dire, mais enfin, où ? À partir de quoi là, vous prenez ce savoir ? Je veux dire, ça ne va pas à l'évidence. Le fantasme, je vous le rappelle, et on ne s'étonne pas assez,
Le fantasme, d'abord, Freud le situe curieusement. Sa mise en place, d'après Freud, se fait dans les plus petits âges de la vie. Freud dit 2 ans et demi. Hein. 2 ans et demi, c'est quand même étonnant. Hein. 2 ans et demi, mise en place de la petite fenêtre, du petit scénario par lequel le petit sujet va donc érotiser son corps et par anticipation le sexualiser pour l'autre. C'est quand même ça, le fantasme freudien. Et donc Freud dit, si, à 2 ans et demi, j'en ai la trace dans mes cures, 2 ans et demi, mise en place de ce petit scénario qui, dit Freud, va susciter cette jouissance donc masturbatoire qui garantit que c'est par cette lecture de ce qui l'entoure que l'enfant érotise et son corps et son rapport à l'autre. Rien que ça, c'est énorme, hein, parce que si vous réfléchissez à votre propre matériel, non seulement de votre propre cure en quelque sorte, mais les cures que vous menez, pour garantir des matériaux comme ça précoces de mise en place fantasmatique, ça va pas de soi. Hein. Alors je passe sur les grands débats, puisqu'il y a une spécialiste de Winnicott, je passe sur les grands débats entre psychanalyse de l'enfant, puisque Mélanie Klein considérait que la mise en place du fantasme était encore plus précoce. Elle disait à Freud, mais Freud, tu n'y penses pas, déjà, à 6-8 mois, tout est bouclé, quel est le bon. Mais on laisse ça de côté, c'est des affaires assez étonnantes, à cause de la précocité du matériel relevé, en quelque sorte. Ce qui est quand même très étonnant. Et donc, vous voyez, l'axiome, on s'en rend même plus compte, mais cet axiome est un axiome de la psychanalyse, il est énorme. Mise en place chez le petit homme d'une toute petite fenêtre, de rien du tout, un petit scénario étriqué, mais qui sera définitivement pour toute sa vie durant la seule fenêtre qui lui permette de lire son lien érotique, son lien corporel à l'autre en quelque sorte. Vous voyez, il faut quand même se rappeler de l'hypothèse de départ. C'est-à-dire c'est un coup de force de Freud insensé. On comprend pourquoi certains philosophes aujourd'hui lui tombent dessus, parce que ça paraît inouï. Ce que raconte Freud. Oui, non, mais je veux dire, c'est dérangeant. Il faut rappeler la force vive de la découverte freudienne. Et il est étonnant que ça ne nous dérange pas plus, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'est pas ému de cet axiome. La sexualité humaine devra ensuite toujours à ce scénario d'entrée. C'est comme ça. C'est le destin. C'est donc pas rien. Alors, ce qui me paraît important de vous rappeler, c'est que même quand Lacan fait un séminaire qui s'appelle « La logique du fantasme », que certains ont travaillé, il ne donnera aucune autre écriture, il n'ira chercher aucun autre exemple clinique. Il va reprendre le petit exemple de Freud que vous connaissez par cœur, mais qu'on oublie souvent, un enfant est battu, on bat un enfant. Hein. Vous savez, l'exemple freudien. Mais ceci dit, on le connaît, il faut le relire. Hein. Parce que la mise en place par Freud de ce petit scénario, c'est un coup de génie absolu. Hein. Comment Freud raconte. On bat, c'est-à-dire que l'enfant dit, j'ai rêvé, ou j'ai eu cette rêverie, on battait un enfant. Hein. On battait un enfant. Alors au début, on dit, bah, quel est le problème? C'est anonyme, on ne sait pas qui c'est, l'enfant ne sait même pas s'il le connaît, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais néanmoins, le scénario d'entrée va insister. Et donc Freud repère ce qu'il va catégoriser comme troisième phrase. Hein ? Un adulte substitut du père, dit-il, donc quelqu'un que je connais par substitution, tout compte fait, va battre un enfant que je connais aussi un peu. Donc ça va être tel petit copain de l'école, justement, ou telle petite fille, ou tel petit garçon de ma famille. Et donc l'anonymat tombe. Et on repère là la jouissance copique de l'enfant au fait que tel enfant que je connais est battu par un représentant du père.
relisez le texte de très près et Lacan le signale. Coup de génie de Freud, c'est donc la seconde phrase qui n'existe pas, dit Freud. Je suis battu par le père. Hein ? C'est un coup de génie absolu, parce que Freud dit cette phrase, je suis battu par le père, elle n'existe pas. Qu'est-ce que veut dire Freud en disant elle n'existe pas ? C'est-à-dire elle n'est pas dans les souvenirs, elle n'est pas dans la mémoire. C'est-à-dire que l'enfant ne se rappelle de rien qui vaut cette phrase. Elle n'est pas dans les associations. Elle est récusée par la pensée. Elle est construite simplement dans et par le transfert. Et Freud dit néanmoins, cette phrase qui n'existe pas, c'est la plus importante, c'est la plus déterminante, c'est celle qui va fixer tout le destin. Et c'est sur ce réel-là, en quelque sorte, que Lacan s'accorde pour dire ce qu'est, du point de vue de la psychanalyse, la logique du fantasme. C'est-à-dire la façon dont, je le répète, et c'est une banalité, le corps donc va se s'érotiser, se sexualiser et par anticipation se dédier à une forme ou une autre de la jouissance, mais qui ne supportera pas beaucoup d'écart en quelque sorte. Cette signature de départ sera celle qui accompagnera votre lien au corps et à votre sexualité tout au long de la vie durant. D'où la question très grave et complexe qu'apporte Freud au titre de la répétition, comme vous le savez, puisque tout se répète toujours. Cette célèbre répétition qui va aller piquer chez Schopenhauer. Tout n'est que boucle inlassable de la même chose. Bon. Et donc, peut-être vous pourriez dire, moi j'avais trouvé cette formule, alors je ne sais pas si je l'ai piqué chez Lacan, après j'oublie parce qu'il a dit tellement de choses déjà qu'on pourrait presque dire que le fantasme, d'un certain point de vue, c'est la fenêtre sur le réel, effectivement, mais le réel envisagé par la psychanalyse, la catégorie du réel du point de vue de la psychanalyse. Parce que cette phrase, je suis battu par le père, elle est impossible. Elle est impossible à endosser, elle n'existe pas du point de vue du petit patient. Ça ne correspond à rien, ni de son histoire, et quand on lui propose, toute sa pensée consciente la récuse, la refuse. Il ne peut pas l'endosser. Elle est donc impossible, et comme impossible, c'est elle qui va tramer sa vie imaginaire. Il n'en aura pas d'autre phrase à disposition. Alors ça, où vous pouvez le retrouver, allez relire d'abord le texte de Freud, qui est absolument fabuleux. Comme souvent, quand on relit Freud, on tombe sur des perles, et on croit les avoir compris, puis en fait on s'aperçoit que c'est... Et puis allez relire la logique du fantasme de Lacan, mais vous aurez la surprise qu'il ne nous aide pas beaucoup, puisqu'il ne donne aucun autre exemple technique de la question du fantasme. Il dit que la façon dont Freud l'a mis en place lui suffit pertinemment, en tout cas à mon sens pour ce qui est de la mise en place du fantasme masculin, hein. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait ensuite différencier ce qu'il en est d'un fantasme entre guillemets, puisque Lacan semble ne pas considérer qu'on puisse parler au sens propre, au sens où Freud en parle, de fantasme féminin de départ, hein. Enfin bon, on laisse ça de côté pour une autre fois, vous interrogerez d'autres. Il y a une difficulté concernant la question du corps et de la psychanalyse qui est en même temps la difficulté de Lacan vis-à-vis de Freud, en quelque sorte. Mais la question du corps tombe bien pour l'expliquer. C'est que vous aurez remarqué que chez Freud, tout est saine. Tout est scénique chez Freud. Là, je viens de vous parler de la mise en place d'une scène, hein. Mais si vous revisitez Freud, et vous connaissez tous les grandes scènes de Freud, c'est-à-dire la mise en place Totem et Tabou, ce serait un film extraordinaire, Totem et Tabou. Hein, Totem et Tabou, quand même la horde primitive, ce serait d'une beauté incroyable à mettre en cinéma. Oedipe, c'est une scène d'une beauté dramatique inouïe.
Et donc, chez Freud, toutes les grandes charnières sont scéniques, en quelque sorte, sont des superbes scènes. C'est une superbe scénographie. Et jusqu'au Moïse, de Totem jusqu'au Moïse, en passant par Oedipe, chez Freud, il y a cette appréhension du sac du corps par la scène, la mise en place par la scène. Y compris d'ailleurs, c'est juste une remarque de clinicien là, ce que vous appelez les uns les autres scène primitive, vous ne savez pas trop ce que c'est. Parce que c'est rare que l'enfant, au sens propre, assiste à une scène dite primitive. Ça peut arriver maintenant, mais c'est quand même exceptionnel. Donc ce que vous appelez scène primitive, la plupart du temps, c'est la reconstruction visuelle par l'enfant de ce qui est entendu. Ce sont des bruits qu'il entend dans la chambre annexe de ses parents, des bruits qu'il interprète et qui vont valoir comme scène. C'est pas une scène au sens propre. Mais néanmoins, on appelle ça scène primitive. Hein, c'est drôle. Et donc, je disais, le défi de Lacan, et qui est assez complexe, on aperçoit avec les collègues les plus jeunes, ils ont du mal à saisir ce passage, c'est que Lacan va essayer de passer de la scène, des grandes scènes freudiennes, à la logique d'un objet dans la langue elle-même. Hein. C'est-à-dire que Lacan va passer d'une scène, de ce qui fait scène, il va dire, mais c'est pas tant ça qui compte. Ce qui est important, c'est la façon dont la langue elle-même, la langue du patient, va véhiculer des objets de jouissance. Des objets de jouissance qui commémorent, qui sont la mémoire de ces mises en place premières, de ces mises en place de jouissance premières, celles qu'évoque Freud au travers d'un enfant ébattu. Vous voyez, ça paraît rien, mais c'est énorme. C'est-à-dire, Lacan essaiera toujours de nous dégager du scénique, de l'imaginaire de la scène, pour nous réapproprier, alors il l'a désigné de manière exprès curieuse, il dit objet petit a, objet de l'arithmétique, bon. Objet de la mais parce que ce qu'il essaye de produire, c'est la recherche de ses jouissances, non pas dans la mémoire du corps, non pas dans l'esthésie de ceci ou de cela, mais dans la littéralité, dans la façon dont le jeu des lettres infiltre l'inconscient de cette mémoire-là. Et donc, je crois que c'est important, concernant le corps, de se rappeler que c'est peut-être le défi également de penser le passage de Freud à Lacan, vous voyez, de l'imaginaire de la scène, d'une scène qui vaut ce qu'elle vaut, c'est une mise en place chez Freud, vers la littéralité, vers le travail de littéralité, vers l'écriture littérale, c'est-à-dire la façon dont les lettres, et vous savez que dans une cure, au fond, on travaille qu'avec ça, on travaille avec quoi d'autre ? Avec la langue, on travaille avec les mots, on ne travaille pas avec du visuel en analyse. On travaille donc avec la façon dont les lettres infiltrent et sont la mémoire, charrient à leur façon les jouissances, les différents niveaux de jouissance, et viennent commémorer la mise en place de jouissances premières, serait-elle refoulée, récusée, voire foreclose dans le cas de la psychose. Mémoire de la jouissance refoulée. Est-ce que Freud, il faut pas être méchant avec Freud, hein, faut avoir beaucoup de respect avec Freud. Est-ce que Freud a eu, eh bien, si vous lisez par exemple l'homme au rat, les notes de Freud sur la littéralité de l'homme au rat, elles sont incroyables. Hein. Freud met en valeur l'analité de l'homme au rat, mais également la structure en rébus des lettres, parce qu'il repère comment rateur en allemand vient infiltrer. Et donc Freud fait, d'ailleurs ce qu'on maintenant on fait plus tellement, même nous les analystes, là il prend des notes conséquentes, Freud, il fait des scrabbles, des rébus, toute une série de choses, et il vient, et donc, et c'est un travail incroyable, hein. Freud, donc à sa façon, Lacan dit, mais Freud le faisait déjà, il vient bien repérer la façon dont la littéralité est en rapport avec la spécularité, analité de l'obsessionnel. Vous l'avez également, un extraordinaire travail, moi que j'aime beaucoup, dans les notes de Freud sur l'homme au loup. C'est incroyable. C'est incroyable comment Freud repère la naissance, en quelque sorte, fantasmatique de l'hypocondrie de l'homme au loup. Puisqu'il dit, l'enfant, il faut se rappeler, alors, apparemment c'est une scène, c'est pareil. La maman de l'homme au loup fait venir son médecin pour des douleurs digestives. Vous retrouverez ça dans la narration de Freud. Bon, elle voit son médecin, elle se plaint. Donc l'enfant, il est comme tout enfant. Il écoute, il est dans le champ. Il est attentif. Pourquoi maman va pas bien?
La maman raccompagne le médecin, le petit suit derrière, le petit homo futur suit derrière, et il entend dire sa maman « Je ne peux plus vivre comme ça ». L'enfant va interpréter ce « Je ne peux plus vivre comme ça » comme les tracas sexuels subis par la maman. C'est-à-dire, il se dit, du côté des théories sexuelles et du Covid, il y a des bizarreries, et maman se plaint au docteur que ça ne va pas, de manière digestive. Vous voyez ? Et ce qui est drôle, mais qui est extraordinaire, c'est que Freud dit que la petite séquence, qui est donc une séquence littérale, ce sont une petite suite de mots, rien du tout, « Je ne peux plus vivre comme ça », cette séquence-là va être refoulée, va être oubliée, mais va être la matrice, en quelque sorte, de l'hypochondrie future, de l'homo loup, qui se plaindra également concernant toute une série de douleurs du corps, de ne plus pouvoir vivre comme ça. C'est pour ça qu'il avait été sur un mode paranoïaque, emmerdé ses médecins. Il ne pouvait plus vivre comme ça. Et ça, Freud l'écrit. Donc il repère tout à fait bien cette petite séquence absolument littérale, toute petite, réduite, axiomatique, qui va déterminer la vie psychique, l'interprétation sexuelle de ce qui se passe pour l'autre, et les conséquences hypochondriaques sur le corps. Tout ça, c'est chez Freud, hein, mais peut-être qu'on le lit mieux maintenant, induit en quelque sorte qu'on est par l'exigence littérale que fait Lacan. C'est formalisé. Voilà. Enfin, il s'est formalisé, je crois que c'est parce qu'on le relit après Lacan, tu vois. Donc l'exigence de lire la littéralité nous apparaît maintenant beaucoup plus nette. Comme le temps passe, je vais vous donner quelques, vraiment maintenant en piste, un certain nombre de questions que j'ai essayé de traiter, mais que je vais vous donner comme problème concernant le corps. Alors, ce qui est bizarre, pourquoi selon vous, je vous les pose comme des questions, comme ça vous aurez l'occasion de les traiter au cours des années qui viennent. Ce qui m'a toujours paru intriguant, c'est pourquoi Lacan tient-il absolument à ces quatre objets topologiques uniquement ? Hein, il dit quatre objets de la pulsion, quatre objets du fantasme, vous les connaissez. Sein, fesses, donc la merde, regard et voix. Hein. C'est intéressant. Lacan là-dessus va être assez intraitable. Hein. Il va dire, moi, c'est ces quatre objets, alors évidemment, qui sont. C'est pas les mêmes, il faut faire attention, le sein, la merde, sur des objets dont on peut comprendre l'échange, dans les petits échanges précoces mère-enfant. La voix et le regard sont déjà des objets extraordinairement construits chez lui. C'est complexe pour rendre compte de ce qu'est un regard et encore plus de ce qu'est une voix. Mais en tout cas, pourquoi Lacan tient-il absolument à cette série ? Hein ? Il ne dira pas c'est 10, c'est 12, non. Alors, de temps en temps, au cours des séminaires, effectivement, il va en rajouter un cinquième qui va, il va dire bah, peut-être on pourrait mettre celui-là. Par exemple, concernant la clinique de l'anorexie, il va dire le rien. Pourquoi le rien ne serait pas objet ? Et puis il va dire non. Enfin, un séminaire plus loin, non. Quatre, pas cinq. Donc ça m'a toujours paru intéressant, intriguant. Et vous retrouverez d'ailleurs cette structure topologique tout au long du travail de Lacan. Le 3 et le 4, ça l'accompagne. Et donc quatre objets. Il y a une série en quelque sorte finie. Il y a de la finitude, bizarrement, introduite par Lacan dans les objets topologiques du corps. Ouais. C'est pas tous. Hein. Je vous le dis au passage, mais ça je l'ai appris par mes amis là, qui s'occupent de psychanalyse de l'enfant. Il y a des très beaux textes de Mélanie Klein, ceux qui font de l'enfant le savent, sur les objets précoces, là. Et Mélanie Klein, par exemple... Alors, vous savez, quand Lacan... séminaire 1 des écrits techniques parle de Mélanie Klein, ça c'est pour vous dire moi mon enthousiasme parfois parce que naïf par rapport à ça, mais il parle de Mélanie Klein, mais Mélanie Klein n'était pas traduit en français, les textes n'existaient pas en France, et donc ça c'est quand même toi, une position, c'est quand même une sacrée position de chercheur clinicien. Lacan a repéré, va chercher en anglais, les fait traduire des textes de Mélanie Klein, il en parle dans son séminaire, ce n'est pas disponible au lecteur français. Et Mélanie Klein évoque donc, j'ouvre les guillemets, sein, fesses, pénis, coït parental,
Et ce qui est amusant, elle ajoute les enfants présents et à venir de la mère. C'est la liste des objets de Mélanie Klein. Vous voyez, c'est drôle. Sein, fesses, pénis, le coït lui-même, la scène du coït, et les enfants, les objets petits tas de la mère, comme dira Lacan, présents et à venir. C'est pas mal. Et ça, c'était déjà produit par Mélanie Klein. Je referme cette parenthèse. Donc, pourquoi ces quatre objets détachés, là? Pourquoi cette série? Deuxième problème, mais qui est très vaste, c'est la question, mais qui est absolument passionnante, c'est la question du poinçon. Vous savez que Lacan écrit donc S barré poinçon petit a. Le poinçon qui est le même petit losange dont il se sert pour la pulsion. Mais comment vous le lisez? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce poinçon? Or, ce qui me paraît très, très important concernant le corps, c'est que le poinçon, l'écriture de Lacan du fantasme, d'un certain point de vue, c'est ce qu'il y a de plus singulier pour le sujet, son fantasme, apparemment. C'est ce qu'il y a de plus privé. Cette petite scénette masturbatoire, apparemment, c'est totalement privatif, c'est totalement singulier. Mais bizarrement, à cause de l'introduction par Lacan de cette dimension du poinçon, ce petit schéma singulier est également ce qui se plie le mieux à tous les discours ambiants, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est, il est malléable, transformable à tous les discours sociaux, en particulier sur le corps, précisément. Et ça, vous l'avez dans la logique. Alors ça, vous l'avez, comment on peut dire ça? Parce que Lacan lui-même le déplie. La logique du poinçon, il va la déplier tout au long de ses séminaires centraux en expliquant comment lui-même lit et litait les possibilités de transformation logique. Par exemple, sur la question du nécessaire et du possible. Si aujourd'hui vous transformez un corps, nous on avait beaucoup bossé, tu te rappelles, sur le transsexualisme. Bon, pour qu'une société puisse impunément, en quelque sorte, de dire un homme c'est une femme chirurgicalement transformée et vice versa, pour pouvoir le dire de manière sociétale et que ça soit reçu par l'inconscient, il faut bien qu'il y ait un rapport entre le poinçon et les discours ambiants, en quelque sorte. Il faut bien que notre fantasme intime soit perméable au coup porté en quelque sorte par la logique sociétale. Pareillement, aujourd'hui, beaucoup de patients s'énoncent au titre concernant les droits du corps, c'est-à-dire c'est plus on me bat, je suis battu, c'est on me doit, ce qui n'a rien à voir. On me doit ceci, on me doit cela, on me doit ça, le corps exige que je... etc. Donc c'est une logique, on entend bien là le travail en quelque sorte des discours sociaux sur l'intime, c'est ça qui est intéressant. Et à mon sens, mais ça peut-être vous le trouverez dans certains travaux, dans le séminaire, le poinçon de Lacan explique pourquoi le plus intime est également le plus ouvert à toutes les logiques possibles. C'est ça qui est formidable, ce qui ne s'entendait pas aussi bien effectivement chez Freud. Donc qu'est-ce que le poinçon? Et le poinçon comme dimension sociétale du fantasme. L'intime se révèle être également ce qui est le plus soluble, en quelque sorte, dans le discours social. C'est ça qui est assez extraordinaire, et que la psychanalyse peut évoquer. Les autres points, je vous les donne très vite pour qu'on puisse quand même parler un peu. Je laisse de côté la question du... il y a une question, je suis en train de travailler dessus actuellement, il y a une question qui n'est pas soldée. À mon sens, c'est la question du traumatisme, et je la laisse totalement de côté. Je pense qu'il faut que nous fassions retour sur la question du traumatisme en psychanalyse, bien sûr, que Freud est parti du traumatisme pour aller vers le fantasme. Néanmoins, la Grande Guerre le rend vigilant à la question du traumatisme avec un grand T. Et il faudrait probablement que nous acceptions maintenant de faire retour du fantasme vers le traumatisme. On ne peut pas laisser les cognitivistes ou simplement les orthodoxes freudiens le faire, c'est pas possible. Enfin bon, je laisse ça de côté. Et puis il y aura, mais je crois que quelqu'un va en parler, cette clinique qui est extraordinaire et dont il faut parler, qui est celle de la défection fantasmatique, qui est portée par exemple par la clinique des psychoses. Parce que là, il faut être honnête, rien mieux que le psychotique
psychique. C'est de quoi le corps encombre, en quelque sorte. Alors ça c'était presque une démonstration à ciel ouvert. Et donc, souvent, c'est plus difficile de comprendre ce qu'est le corps par le fantasme que de partir du plus radical, qu'est-ce qu'un corps dénoué fantasmatiquement, celui du psychotique. Ça nous éclaire énormément sur la chance que nous pensons avoir d'être en quelque sorte mieux capitonnés nous-mêmes par la névrose et l'imaginaire du corps. C'est intéressant de partir de la psychose pour éclairer le... plutôt que de l'inverse. C'est vraiment un dernier point concernant le... Il faudrait dire un mot, mais c'est pas vraiment sur le corps, c'est sur la question du fantasme lui-même. C'était devenu un peu la tarte à la crème lacanienne, la question de la traversée du fantasme, hein, vous savez. Oui, l'histoire de la fin. Alors c'est intéressant néanmoins, si on veut être sérieux pour des questions de transmission de la psychanalyse, de fin de la cure, de qu'est-ce qu'on appelle une fin de cure, qu'est-ce qui est attendu de la cure. Et il est vrai qu'il y a eu une époque un peu... Moi, j'étais jeune encore, donc j'en ai eu que les traces finissantes. Une époque un peu exaltée, en quelque sorte, sur la... C'est-à-dire qu'à l'époque, où il y avait un peu ce dogme, dont je me rappelle assez bien, c'était presque comme du marxisme lacanien, on disait d'abord, il faut régler la question des identifications. Il faut d'abord dépasser le plan des identifications. Bon, il y en a pour 10 ans, puis après, ça se règle. Et après, on aborde enfin avec sérieux la question du fantasme. Et la question de la fin de cure était vécue, enfin était racontée comme la dite traversée. Et donc il y a eu un peu cette exaltation passionnelle assez étrange, dont ça mériterait aujourd'hui de dire un mot, en quelque sorte. Parce que ça mériterait qu'on sache aujourd'hui comment les associations analytiques, en quelque sorte, pensent ce qu'est l'horizon, effectivement, concernant la dimension fantasmatique d'une fin de cure. Voilà, mais enfin, bon, c'est une des pointes de question. Peut-être on s'arrête.